ma tête. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo que on m'a beaucoup demandé. D'accord? Donc il y aura deux tenues. D'accord? Codage. Pour le perso masculin. Donc il faudra avoir aussi un perso féminin en deuxième pose. Perso, pardon. Ok. Vous allez perdre toutes vos tenues. D'accord? Donc il vaut mieux aller là. Carré. Et tous les supprimer. Et garder juste celles que vous voulez garder, par exemple. S'il y en a une qui est modée, que vous les gardez, vous la gardez sur vous, mais sinon tout le reste, vous supprimez. Ok? Hop. Donc on va commencer. Vous allez devant le magasin. Vous allez vous mettre en dernière position. Ok? Et ensuite, vous allez changer votre tenue ou un accessoire. Voilà. Pour sauvegarder. Une fois que c'est fait, vous faites start en ligne. Changer de personnage. Une fois ici, hop, vous allez sur le deuxième personnage. Et vous faites un perso de la meuf. Tac. Sauvegarder, on s'en fout, hop. Voilà, accepter. Si votre perso est déjà fait, bon bah tant mieux pour vous. Hop. Voulez-vous passer? Oui. Donc je vais vous couper le moment où il va y avoir la cinématique du casino, etc. Et on se retrouve directement en session devant le casino. Voilà. Donc on se retrouve devant le casino après la cinématique. Vous mettez en passif. Boum. On va faire la tenue. On va essayer de trouver une voiture. J'ai fait le compte exprès pour les tenues codage. Le mieux, c'est d'aller en session à vide. Si vous êtes là, vous faites une session à vide. Bon, je vais déjà la commencer là. Si j'aurais déjà des galères. Hop. Donc arrivé là, vous allez dans les hauts, on va commencer la boum, flèche de droite. Vous allez blouson tactique, vous mettez les derniers pardon. Hop. Ensuite vous allez dans les bikinis et vous allez chercher le orange à rayures. Il est là. 15 sur 30. Boum. Vous le mettez. Vous allez dans les pantalons. Boum. Pantalon polyvalent. Et vous allez chercher le militaire noir. Ici. Boum. Ensuite. Vous allez dans les accessoires. Boum. Vous avez fait que vous avez rien. Moi j'ai vu que j'avais des boucles d'oreilles. Je vais les enlever. Après normalement elle n'a plus rien. C'est bon. On va dans les gants. Blanc et vert. Boum. Qu'est-ce qu'on fait? On fait carré. On sauvegarde la première. On va mettre police. Voilà. Boum. Ensuite, vous allez dans les pantalons. Vous mettez pantalon de sport, tac, ample léopard. Ensuite, vous allez dans les chaussures, vous mettez bottes
Vous allez chercher les bottes de cow-boy rouge. Attendez, je vais vous dire. Non, c'est des rouges. Attendez, il n'y a pas les rouges. C'est normalement. Bottes de cow-boy rose, orange, crème. Ah, rouge, voilà. Rouge, avec les trucs verts là. Hop, prenez ça. Ensuite, vous allez dans les hauts. Veste de travail. Hop. Mélon pêche forêt fermée. Hop. Ensuite, vous allez les t-shirts trafic d'armes. C'est où ça? Hop. Tac. Dernier. Vous voyez, j'ai fait ça premier. Flèche du haut. Boum. D'accord? Vous faites carré. Vous faites police. Deux. Voilà, les refs. Comme ça vous fait votre première tenue en deux tenues. Première, deuxième. D'accord? Première, deuxième. Donc pour la deuxième, on va commencer. Vous reprenez déjà la première là. Tac. Et après, vous aurez juste à aller dans les pantalons. Boum, vous mettez dans les shorts et vous cherchez comment il s'appelle? Aube, voilà, aube, ouais, c'est ça, aube à motif, le jaune comme ça, avec les fleurs, je me rappelle. Ensuite, vous allez dans les oui, hop, attendez, c'est les potes, je crois, attendez. Les bottes ou ouais c'est les bottes pas les bottines à talons les bottes et normalement il y a un truc bottes ouvertes attendez on va recommencer dès le début c'est les bottes ouvertes attendez je vais vous dire bottes ouvertes là cela chocolat boum vous prenez carré et vous mettez pompier, pompier, pompier. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez dans les pantalons. Hop. Pardon. Vous allez dans le t-shirt léopard. Tac. T-shirt léopard, non, pantalon ample léopard, pardon. Vous allez dans les hauts. Vous allez dans les vestes de travail. Non, pas dans les travails. C'est les trucs de sport. C'était la première. Les trucs de sport. Hop. Vous allez chercher la verte haut. Elle est où? Là. Boum. Verte haut. 99 sur 110. Rond. Et vous allez dans les. Pour celle-là, c'était la débardeur. Débardeur. Oui, débardeur. Et vous allez vers le haut. Et vous cherchez le blanc pirate. Non, c'est pas vers le haut, c'est vers le bas. T-shirt blanc pirate. Là. Celui-là. 19 sur 99. Boum. Ok. Vous faites carré. Vous sauvegardez au quatrième emplacement. Pompier. 2. Voilà l'erreur. Donc là, en gros, vous avez 4 tenues pour 2 tenues. La première, la deuxième qui vous donnera une tenue. La troisième, la quatrième qui vous donnera une deuxième tenue. Ok, la ref. Enfin, vous avez fait ça, vous prenez votre première, vous faites start en ligne. Boum, et vous allez en éditeur. Arrivé là, vous faites course terrestre.
Et à partir de là, vous créez une course de plus d'un kilomètre. 1,02 km, 1,03 km ou plus comme vous voulez. Ok? Et on se retrouve. Voilà, j'atteste. Arrivez ici, vous faites croix. Arrivez dans le menu, faites start. En ligne. Choisir personnage, pardon. À partir de là, vous allez sur votre deuxième personnage, vous faites carré, supprimer, oui, et vous marquez supprimer. Hop, hop, R2, et à partir de là, vous allez spammer croix pour retourner en mode histoire sur votre perso numéro 1. Vous spammez croix, rond, pardon, voilà, déconnexion de la session. Arrivé en mode histoire, je vous conseille d'aller en mode en session publique. Ce sera plus facile pour le repo. On start en ligne, jouer, go. Arrivé en session publique, je vous conseille de vous mettre en mode passif. Hop, mode passif. Voilà, vous allez ici, vous allez respawn déjà avec votre tenue de base hein, que vous aviez. Vous allez dans les t-shirts. Et vous allez dans les maillots de course. Hop, ici, et vous prenez les premiers. Le premier ou n'importe celui-là si vous voulez. Hop. Ensuite, vous retirez sa casquette, accessoires. Voilà, vous allez dans les accessoires. Boum, flèche de droite. Il n'y a rien dans les gants. Et vous mettez les gants tout discrets qu'on avait ici. Ok, renforcé noir. Boum, vous faites carré. Là, vous voyez que vous avez votre nez bugué. Vous y touchez pas. Vous avez l'emplacement numéro 20. Boum. Non, même pas. On s'en fout, je vais le laisser. Tac. Voilà. De numéro 1, ouais, si tu veux. Hop. Et à partir de là, vous faites start en ligne. Non, attendez. J'ai vu que j'avais pas d'oreillette. Je vais aller chercher une oreillette. Surtout pour sauvegarder la tenue. Monsieur, monsieur. Bon, on se retrouve à la mine. Donc à partir de là, je vais ici, boum, flèche de droite, je prends l'oreillette grise, pardon. Ok, ça va nous servir. Donc à partir de là, vous faites start. Activité, jouer activité, créé par Rockstar, versus Ripou. Boum. Voilà, le mec il a mis en possédé, c'est très bien, vous voyez. En bas là, vêtements possédés. Très bien. Vous arrivez ici, tenue actuelle, une fois flèche de droite, une fois flèche de, deux fois flèche de droite, pardon. Prêt à jouer. Hop, arrivé en repo, pavé tactile, skill, accessoire, flèche de gauche. Hop. Après, vous quittez. Hop, à partir de là, vous êtes toujours en passif. Vous courez à l'animation. Hop, faites flèche de droite, carré, et vous la sauvegardez n'importe où.
par exemple là. Police. Hop. Et vous avez votre première tenue. On ira la finir après. Vous avez déjà votre première tenue, les gars. Ok. Jogger noir. Le vrai, avec les chaussures, machin, je sais plus quoi là. Enfin bref. On enchaîne avec la deuxième. Vous allez dans tenue. Boum. Flèche de droite. Vous allez dans arène. Arène. Et vous allez dans ces secondes peaux, il me semble. Attendez, où est-ce que c'est ça? Non. Attendez. C'était quoi déjà? Ah non. Les tenues. Combinaison, pardon. Et vous prenez la première. Boum. Ok. Ensuite, vous faites flèche de droite. Carré. Et vous supprimez les deux premières là. Triangle croix. Ok. Hop. Vous faites start en ligne. Activité. Joueur activité. Et vous relancez un versus. Boum. Les bergers. Oui. En espérant que quelqu'un nous rejoigne. Hop. Donc comme je vous disais, vous allez posséder. Vous mettez. Ok. Confirmer. Ah bah il y a le même que tout à l'heure. C'est nickel. Attendez qu'il arrive. Et vous lancez. À partir d'ici, vous faites pareil, tenue, une fois flèche de droite, deux fois flèche de droite. Hop, prêt à jouer. Hop. Style, accessoire, flèche de gauche. Et vous quittez. Arrivez ici, on vérifie qu'on est toujours. C'est bon. On va à l'amination. Comme vous voyez, on voit pas mes bras, ni mes mains, etc. Et cela, permanent, à vie. Sans aucun glitch du yacht ou je ne sais quoi. Juste avec une tenue codage. Boum. Vous allez ici, flèche de droite. Carré. Et tenez, je vais me mettre au premier emplacement. Voilà. Non, au deuxième. Pompier. Boum. Tac, tac, je vais supprimer les deux autres. Et voilà, vous avez vos deux tenues de codage. Nickel. On se retrouve en session invitation pour les finir. Arrive en session sur invitation. On va au magasin. On va sélectionner cette tenue de départ là qu'on avait. Voilà, pour acheter tous les accessoires qu'il nous faut. Donc vous allez dans le chapeau. Donc pour la toute première tenue police, vous allez dans les casques anti-émeute. Vous allez chercher le anti-émeute et les speedy. Ok. Tac. Ensuite, vous allez ici. Lunettes de sport. Dégradé. Boum. Ensuite, la cagoule, on ira l'acheter là-bas. Vous retournez dans les chapeaux. Vous prenez. Casque et vous prenez casque jaune si vous pouvez, d'accord. Phase finale, nanana. Bon, nous on va prendre l'orange, c'est pas grave. Ok, boum, tac tac. Ensuite, on va aller dans
les lunettes. Lunettes de sport toujours. Et on prend les jaunes. Ok? Tac. Et on se retrouve à la plage. Hop. Vous prenez votre première tenue style pompier. On va commencer avec la pompier. Donc là, vous faites accessoire. Casque. Et vous mettez votre casque de pompier. D'accord? Vous êtes dans les lunettes. Et vous mettez les jaunes. Boum, boum, boum. Vous mettez là. Carré. Et vous sauvegardez sur la tenue. Boum. Voilà. Hop. Vous allez là. Vous faites police. Vous faites accessoire. Casque. Et vous mettez le LSPD. Ok, ensuite vous allez dans les lunettes. Ah. Tac. Ok, donc pour ça il va falloir faire le glitch. Tac, arrivé ici. Vous prenez, pardon, un pompier, tac, non, pardon, votre tenue qui est là, accessoire, tac, tac, vous prenez cette truc là, là, hop, et vous faites le glitch de la longue vue, vous foncez, vous mettez de l'argent sur votre compte, tac, vous foncez, flèche de droite, vous spammez, hop. Vous prenez pompier, vous éloignez et boum, vous avez votre cagoule sur vous. Vous allez sauvegarder la tenue. Hop, flèche de droite, pompier, carré, enfin croix, et voilà. Vous avez votre première tenue, les gars. Pompier invisible, codage. Ensuite, on va s'occuper de la deuxième. Hop, police, d'accord. Donc là, vous lui mettez accessoires, lunettes, vous lui mettez les grises. Hop, tac, flèche de droite, carré. Il va sauvegarder sur police. On va la remettre au premier emplacement. Hop, police, tac, l'autre on la supprime, on s'en fout, tac, tac, on retourne là-bas. Hop, arrivé ici, vous mettez là, glitch de la longue vue, ça n'a pas marché, hop, vous mettez là, non, d'abord, style, hop, accessoire, casque, et vous prenez celui-là, vous foncez, hop, glitch de la longue vue, hop, pavé tactile, style, police, hop, vous venez là, boum, tac, flèche de droite, carré, police, boum, voilà. Là, vous prenez style, la tenue dégueulasse, accessoire, masque, boum. Non, style, accessoire, celle-là, hop. Hop, flèche de droite, tac, style, police. Hop, vous éloignez. Et vous avez votre tenue. Votre deuxième tenue. Voilà, sauvegardez. Hop, flèche de droite, carré, police. Et voilà. Et voilà les refs. Vos deux premières tenues faites par MyLED, comme promis. Tac, pompier, invisible. Avec cagoule, masque, double masque même avec le casque. Hop.
les pompiers. Et voilà les refs, c'était Mylet Gaming pour vos premières tenues de codage. Et il y en aura d'autres si vous me demandez. Ciao ciao les refs. Je m'en bats les couilles que t'as vendu plus que moi. Si j'ai mon 43, c'est que je peux faire des dégâts. Y'a des guetteurs sur le toit qui crient Arte Naoka, où y'a les condés en bas.